si vous voyez, c'est que je suis ébloui par, par les spots, oui, moins ébloui que je le voudrais, je suis de votre avis. Mais bon, ils sont là, c'est déjà bien. C'est pas tous les jours. Hier, je suis allé au théâtre, avec des éclairages magnifiques. Et puis, à un moment, j'entendais un bruit qui m'était familier. Et il y a eu une légère déclivité dans la lumière. Ah ben, c'était comme chez nous. La gamelle avait sauté. Alors, je me suis sentie en terrain familier. Je me suis dit, ben, ça va, je suis pas la seule. Non, ce qui bousille les langues dans tous les théâtres, c'est les différences de... Enfin, vous demanderez à Gilbert, parce que lui, il connaît tous les mots techniques, mais je veux dire que le courant n'est pas constant. Il y a des fois où il en envoie plus, des fois où il en envoie moins. C'est pour ça qu'on a un onduleur sur les ordinateurs pour éviter que... Et on ne peut pas avoir un onduleur sur une installation électrique, c'est pas possible, c'est pas prévu. Donc, on peut même pas accrocher un Saint-Christophe, parce que les gamelles ne bougent pas. Qu'est-ce qu'on peut accrocher? Bon, on verra bien. Pour l'instant, nous allons accrocher notre attention à Jean-Jacques Boitard. Jean-Jacques, c'est pas tous les jours. Hier, je suis allé au théâtre, avec des éclairages magnifiques. Et puis, à un moment, j'entendais un bruit qui m'était familier. Et il y a eu une légère déclivité dans la lumière. Ah ben, c'était comme chez nous. La gamelle avait sauté. Alors, je me suis sentie en terrain familier. Je me suis dit, ben, ça va, je suis pas la seule. Non, ce qui bousille les langues dans tous les théâtres, c'est les différences de... Enfin, vous demanderez à Gilbert, parce que lui, il connaît tous les mots techniques, mais je veux dire que le courant n'est pas constant. Il y a des fois où il en envoie plus, des fois où il en envoie moins. C'est pour ça qu'on a un onduleur sur les ordinateurs pour éviter que... Et on ne peut pas avoir un onduleur sur une installation électrique, c'est pas possible, c'est pas prévu. Donc, on peut même pas accrocher un Saint-Christophe, parce que les gamelles ne bougent pas. Qu'est-ce qu'on peut accrocher? Bon, on verra bien. Pour l'instant, nous allons accrocher notre attention à Jean-Jacques Boitard. Jean-Jacques Boitard est né à La Chanson à 33 ans, date où il posa les mains sur une guitare pour apprendre. Il a commencé par apprendre les chansons du répertoire de Serge Kerval, puis ensuite Michel Aubert. Michel Aubert, c'est le papa de Jean-Louis. Et ça me rappelle ce truc, Paul Belmondo, le sculpteur mondialement célèbre, n'est-ce pas, qui est titré dans le journal « Le père de Belmondo est mort ». Oui, mais c'est, oui, bah, enfin, ça fait drôle quand même, je veux dire. Et puis également, Jules Bocard, qui est aussi un très beau répertoire. Les poètes du groupe Les Cahiers de Gautaban, Merci. Dans le quartier de Marseille. La première scène est de 77. Le premier enregistrement est sous forme de cassette et de 45 tours. Là, on fait les violons de la nostalgie. En 1985. Oui, hein. Et puis alors, évidemment, il y a eu le grand tournant dans sa carrière, la rencontre avec Claude Demandir, des gens qui sont heureux d'être ensemble, qui créent mieux ensemble, et quand ils repartent chez eux, ils ont plein de lumière dans les yeux et plein de notes dans la guitare. Son premier CD est de 2003, le deuxième est de 2004. Et ils sont tous les deux, d'ailleurs, à votre disposition dans le hall. Il y en a deux autres en attente. Ah. Alors donc, dans ce chemin, il mentionne les lieux qui lui sont chers. Alors évidemment, pour Marseille, il y a le théâtre de la Ferronnerie. Pour Paris et le Creuset des Arts. Pour Paris, il y a l'Échelle à Coulisses et l'Acacia. Et chez Driss les uns les autres, à la belle époque. N'est-ce pas, on en aura toujours aussi une nostalgie. Et également aussi de différents lieux dans le Midi, comme Aix-en-Provence. Il prévoit aussi une soirée et la crypte des accords. Des accoules. Ah oui, mais c'est pas tout à fait le provençal dont j'ai l'habitude, le provençal marseillais. Moi c'est maritime. Enfin bon, oui. Également aussi, il prévoit une soirée au Teranga. Le Teranga, c'est un petit lieu d'ambiance africaine avec des contes, et les gens d'Afrique, et donc il va passer les siens. Et il fait pour cette saison 2006-2007, il s'est lancé un défi ou challenge
Ouais, bravo. L'idée, c'est de ne jamais faire deux récitals pareils, même si les endroits sont différents. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre ce soir a été préparé pour l'échelle à coulisses et ne sera pas représenté de la même façon dans un autre endroit. Ce ne sera pas les mêmes chansons, ce ne sera pas le même choix. Donc c'est un moment, évidemment, c'est toujours un moment exceptionnel quand on écoute Jean-Jacques Boitard, mais là c'est en plus un moment exceptionnel, volontairement exceptionnel. Suis-je clair ? Tant mieux. Tiens, la laryngite s'est déplacée. Non, parce que je signale, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, que le monopole de la laryngite, c'est Annick Gobert, et qu'on est prié de ne pas la copier. Ah, ça, si c'est une trachéite, à ce moment-là, là, d'accord, il n'y a pas plagiat. Non, parce qu'elle s'y connaît, n'est-ce pas, elle envoie les papiers à la SACEM, alors question plagiat, elle est au courant. Ça... Moi aussi. Alors ça va. Très bien. Donc, un spectacle inédit ce soir, avec un auteur qui ne ressemble qu'à lui-même, avec une guitare qui a été faite exprès pour lui, mais il vous en parlera mieux lui-même. L'échelle à coulisses est donc folle de joie de remettre son trousseau de clés à Jean-Jacques Boitard. Un concours avec Gilbert, savoir combien de cordes à la guitare de Jean-Jacques Boitard, fabriquée par le luthier Joël de la Plane, Marseille. Voilà. Et bon, je peux en couper une de temps en temps pour pas que ça gagne. Voilà. Il y en a six sur lesquels on joue. Ah, très fort. Comme mauvais guitariste, j'en ai mis 12 ici qui résonnent par sympathie. Camarade qui malheureusement est parti parce qu'il était très loin, c'est dommage. Il y a une 12 cordes. Alors imaginez, si 12 cordes, c'est ici. Il y en a 12 ici, s'il en avait hein, 12, il me bat. Je peux plus lui caler. Donc, bon, alors j'ai pas le détail de la fabrication sur moi, tout de suite, mais il faudra que je fasse un texte vraiment fondateur qui sera sur les derrières des supports de communication qui sont distribués. Je ne sais plus comment dire, forcément. Et parce que c'est, si je vous dis par exemple que ce manche était, c'est du bois qui vient d'Afrique, hein, c'est bien sûr, c'est interdit d'ailleurs. Il y a du bois qu'on ne peut plus importer maintenant, parce que c'est des arbres. Ouais. Et donc, comme déjà ils n'avaient pas le droit de le rapporter d'Afrique, c'est une dame qui a fait des caisses pour aller mettre sa lingerie et qui a fait faire des caisses épaisses comme ça, chaque bois. Donc, il y avait des caisses, un petit peu de lingerie, et les caisses, c'était pour ramener le bois, c'était pas pour la lingerie. Ah. Et il y a encore, chez Joël Laplane, un bout de cette caisse avec les trous de vis. J'espère qu'il le garde pour ma prochaine guitare, parce que je change tous les 25 ou 27 ans de guitare, donc il faut que j'en change pour ma prochaine carrière. Ça va être dur. Voilà. Comment c'est des bois qui sont issus d'arbres qui ont poussé à 1500 mètres d'altitude, une hydrométrie favorable, l'humidité, les vents. Je vous raconterai ça beaucoup mieux. Prochaine conférence, mon prochain spectacle à l'échelle des plus. Voilà. Bon. Chanson. Ah oui, ah. Non, ça va. Il est câblé. On va descendre un petit peu. Oui, vous avez tous remarqué que souvent il y a des bricoleurs. On bricole soi-même des fois. Et une chanson que j'ai créée il n'y a pas très longtemps ici. Voilà. Mais maintenant qui est un petit peu assimilée. Quoi. Donc, je prépare mes antisèches. D'abord pour l'ordre et les positions des doigts. Je sens Nadine Malo qui rit aussi.
C'est pas possible. Olivier qui dit c'est pas possible, ce gars. Il y a toujours des antisèches. Bon. Nous bricolons, hein. Quand il s'est levé matin, après avoir fait l'amour, moule son café en grain et mange de petits fours, il a mis sa salopette, celle qu'il aime par-dessus tout, les tachés dessous les fesses, ça. Ça impressionne toujours quand il a tous ses outils, quand il a, ça l'enhardit. Il a pris dans ses deux mains un bout de chiffon rassis, l'a tordu d'un air serein avant d'essuyer le buis. Il a pris sa cigarette après l'avoir bien roulée, pour CB, pour la lichette, il va pouvoir attaquer. Quand il a tous ses outils, quand il a le bon poil parti, pom 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 pom. Il a pris son petit crayon et dans sa poche le crayon. Il a la mine fatiguée du coquet hors saison, en posant sur l'établi les goïnos dans le requin, le bout de bois au teint jauni, le marteau et le tire-vin. Quand il a tous ses outils, quand il a plus de soucis. Quand il a le bricoleur, quand il va de bon matin, il y va vraiment de bon cœur, le labeur c'est son destin. Mais il remballe sa petite musette, c'est l'heure d'aller au tiercé, et prépare sa mobilette. Mince! Elle veut plus démarrer. Quand il a tous ses outils, quand il a. Bah tiens, elle est partie. Festival de poésie, et il y avait un monsieur donc avait gagné le grand prix et qui s'était mis à l'écriture de chansons et qui il a dit j'ai fait un petit poème sur l'histoire d'un vieil Auvergnat, un petit bouillard qui était à la place Blanche à Paris, et puis faire un petit tonneau là, et puis hop, je vais monter un peu pour qu'il y ait moins de tonneau. Voilà, ça va Olivier? Mieux. Pierre Tourtenoy, c'est ça. Et donc, il nous racontait qu'il y avait le petit bougnat de la place Blanche, que c'était bien, imaginez, vous demandez une tartine de pain grillé, c'est fabuleux, il arrive, il y a le beurre, il y a une belle tranche de beurre, et le retour de la main, il ne reste plus que... Et il a fait une chanson dessus. Enfin, il a fait un texte, et moi ça m'a bien plu, c'était pas fait pour faire une chanson, c'est devenu une chanson. Voilà. Le petit bougnat. Le vieil Auvergnat, le petit bougnat,
de la place blanche. Ouvre les volets sur les triolets d'un vieux gond qui flanche. Le petit bistrot tout près du métro baille au crépuscule d'une fin de nuit qui chasse et poursuit la peur noctambule. Au bout du comptoir, derrière le foutoir qui jouxte la caisse, un bout de journal dit que Nasminal élit sa princesse. Un gars du quartier, petit boutiquier, rêve de tartines. Son noir est servi et l'homme ravi hume les maquines. Sur le pain tranché, le beurre est couché d'une main experte. Mais un propre tour reprend son détour, la beurre est offerte. On compte en dessous les billets, les sous, toute la famille pense au pavillon, tout près d'Espalion, rien ne se gaspille. Le vieil Auvergnat, tout près du Bougnat, de la place blanche. Ouvre les volets sur les triolets d'un vieux gond qui flanche. Le petit bistrot tout près du métro baille au crépuscule d'une fin de nuit qui chasse et poursuit la peur d'octambule. C'est l'histoire du vieux Macnab qui était coécrite à Étampes avec un camarade de l'atelier d'auteur, Roman Levesque. Et on commence les bars, on fait la tournée des bars. Il y en a parce que c'est pas grave. L'espion perdu sans collier a vidé son premier verre. Quel mystère, ces pions damnés, ces faux jours sous l'escalier. Les rats sur la table dansent, se moquant des sans-papiers. Et ce vieux Macnab pense qu'il ferait mieux d'aller se coucher. L'espion perdu sans collier a vidé son second verre. Taille croquer, bouton pelé, c'est l'armure qu'a pu de paquet. Et ces misérables rongent la bouteille de Grand Marnier. Et ce vieux Macnab songe qu'il est temps de se réveiller. L'espion perdu sans collier a vidé son troisième verre. Ses misères de voir caner, c'est l'armure sans chevalier. Et ce connétable mièvre nous aurait perdu la clé. Et ce vieux Macnab rêve d'aller nous la retrouver. L'espion perdu sans collier a vidé son troisième chez. Ses regrets de l'entendre ronfler aussi fort que Grand Gousier. Mais cet homme affable tangle du comptoir sans détourner. Et ce vieux Macnab plonge son regard sous l'évier. L'espion perdu sans collier qu'il ne faut pas prendre pour un cave. Oh, au clave des empaillés, c'est le plus chouette des arts souillés.
maintenant son âble hante. Les finances du tavernier et ce vieux MacNab pense qu'il serait bon d'aller trinquer. L'espion fait du sang collier, la 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 la. Et on a fait le facteur, ça paraît. Bernard Richardy, Mathieu Pourageau, Christelle Podiongro et moi-même. Le facteur s'en parle. Faites les saisons. Les sentiers balisés, petit oiseau dit douillet, a vu passer devant lui le facteur, siffloquant de fleur en fleur. Un petit doigt au comptoir du café du village, Paul, voici ton message. Sentiers balisés, soleil de miel tartiné, a vu courir devant lui les enfants, chercher les mots qu'ils aiment tant. Un petit bleu sur la fesse au passage, Tom, voici ton message. Sentier balisé, écoute le vent se lever sur les secrets des brindilles du temps, mélancolise et tourment. Un petit rouge au comptoir du glacier, Luc, voici ta monnaie. Sur les sentiers balisés, flocons étoilés, chiens de traîneau entraînant le facteur, boule de neige de bonheur. Un petit blanc sur le pouce au réveil, c'est un facteur sans pareil. Quand est-ce qu'il va aborder les choses sérieuses, quoi. C'est bien ça, c'est affolé. Déjà, ça arrive maintenant. Bien justement, on arrive aux choses sérieuses. Et bien justement, c'est le titre de la chanson. Il n'y a pas d'enfant à ça. Là, on est mal parti. Alors, chanson écrite sur le thème Dialogue du chêne. Et du sol. Triste affaire. Et on a dit pardon. Oh là là là, c'est pas que je t'aime que je t'aime. Monsieur le chêne, voudrais-tu me donner quelques glands? Je les vois là dans la brise, tout clochetant. Ils sont bien jolis. J'en ai bien envie. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Feuillu. Monsieur.
gorge de la saule, je n'ai pas bien compris. Je suis dur de la feuille comme un brocoli. Quand on prend de l'âge, tout ça se défraîchit. Je crois bien que je me défeuille de mes glands aussi. Justement, mon chêne, c'est de ça que je parlais. Tes petits drôles bohèmes me font bisquer. Ils sont bien polis, j'en ai trop envie. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, oh, oui, dis-moi, oui mon petit chêne. Tofu. Monsieur de la Saule, ce que vous me dites là, ça me donne la rage d'un mouchi, maman. Ma stature dérange, y'a quadré et très gris, tout comme un fauteuil d'un pétran ravi. Je suis la vache du coin, ça me noue les dents. Écoute ce vent qui me vise, ainsi si sent, a vraiment envie de ces glands maudits. Oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Branchu. Mon petit de la Saule, si t'attends un peu, tu pourras peut-être bien t'en ramasser deux. Une demi-douzaine, je crois que ça t'irait bien. Pas besoin de mitaine ou de gants en crin. Tiens, y'a l'automne qui arrive, entends-tu ce boucan? Tes racines vont lâcher prise, et Bataclan. Je te l'avais bien dit, tu peux faire crédit. Oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, mon petit chêne. Oh oui, dis-moi oui, oh oui, dis-moi oui. Oh oui, dis-moi oui, mon bon vieux chêne fourbu. Crétin de la Saule, si je tombe à l'eau, notre pas de terre t'emmènera tout go. Arrête ta bohème de coussicafi pour mes emphysèmes de vieux décati. Monsieur le chêne, entends-tu le gémissement du bois? Je n'aurai peut-être pas des glands, mais de la sûre, je crois. Je penserai à toi pour sûr, tout au fond de ma nature. Je verrai tes petits glands pousser, et bien sûr me demander. Des petits glands. Monsieur le Saule, voudrais-tu nous donner quelques brins? De tes belles branches pendant, on se fera des écrins. Joli brin, joli, verglant sapristi. Faut qu'il nous protège. Joli, joli brin, joli, verglant qui se soucie de ne plus avoir, de ne plus avoir, de ne plus avoir de torticolis. Bon, et voici maintenant le moment solennel du baptême de l'échelle à cuisse, le roi de la route. Ah. Cartable, j'ai pas mal aux pieds, ça me tire parfois aux lanières, mais il faut vous faire remarquer que je suis le roi de la rentrée. En ce beau mois où l'on tremble, je vais voir courir ces petits que l'on rassemble, histoire des je suis capable de bien transporter les puces de ton chien à Pierre, puis
puis bien sûr pour t'encourager, les petites miettes de ton goûter. Sur le chemin de l'école, on va s'amuser. En tapant des pieds, les bouquins que tu me confieras parleront bien sûr de guerre. Il faut dire que ces histoires-là te laissent souvent un peu froid. Je préfère que tu regardes sans te taquiner les petites allumettes près du cantonnier. Dans ta chambre, faudra pas te fâcher si je te joue les cachossettes au lieu d'égrêter tes cahiers où tu fais plein de pâtés. Les feuilles mortes qui sont si tendres vont se mettre à rougir. Tant mélancolique engendre les mamans soupirs. Il y a des jours où tu ne seras pas bien quand il y aura de la bourrasque, car le poids que je porte si bien ne remplace pas le gros canard. Alors je quitterai ton dos pour que tu me prêtes ta main. Je caresserai la peau de ta peau satin. Je suis le cartable, j'ai pas mal aux pieds. J'aime bien ma petite écolière. C'est probable que j'irai promener avec les petits écoliers. Je suis le cartable, j'ai pas mal aux pieds. Ça me tire parfois aux lanières. Mais il faut vous faire remarquer que je suis le roi de la rentrée, que je suis le roi de la rentrée. Et comme c'est toujours la rentrée, j'avais fait une chanson un jour qui s'appelait Chicorée. Chicorée au lait. Oui, d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, chicorée au lait. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, j'entends le laitier. Le petit rougeoir, petit bois cassé. Maman, chanson miettée. Maman, petit pied. Chanson qui détonne, la vie va plier. Ce matin d'automne, a le pied au nez. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, chicorée au lait. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, j'entends le laitier. Gabriel tout bas se compte à regret que les jours d'été s'en sont bien allés. Lima son bonhomme, ses petits lacets. Un point pour la gomme, à tout refiler. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, chicorée au lait. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Martin levé, j'entends le laitier. Ça m'arrête déjà sous le marronnier. Bonbon à chiner, maman où tu es. Garçon qui blousonne, la lia chambrée. Forçat qui entonne, la vie du roulier. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, chicorée. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Martin levé, j'entends le laitier. Les ruelles, je crois, ont vu tant de souliers. Dès qu'on a plié, s'en fait des pieds. La raison chaconne, une scie à chambrer. Parfois, je m'en chiffonne à faire frissonner. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Matin levé, chicorée au lait. Bruit d'école, il faut qu'on s'y colle. Martin levé, j'entends le laitier. Et moi, je suis moi, j'en ai plus qu'assez. Je boude en aviré, ce pincement au panier. Le rond qui façonne la vie, hache crochet, ce bas sans consonne va me formater. Bruit d'école.
l'école, il faut qu'on s'y colle. Martin levé, chantons le laitier. Elle dit ce chose des fois dans les écoles. Dans les écoles, il y a des cantines. Alors voilà, j'ai fait super. Chantons qui n'a absolument aucun caractère politique. J'ai fait à la cassia cet après-midi, j'essayais de la refaire. Voilà. À la cantine. Il y a un concours hein, qui parle. À la cantine, je voudrais aller, maman. À la cantine, je voudrais aller. J'aime bien les tartines à l'amidon tout grisé. Je dis super la gambie à la cantine de mon quartier. Ça émoustille de voir de beaux œufs brouillés, toutes les myrtilles quand elles sont un peu passées. C'est vrai que les grappilles s'embêtent un peu mémé. Super la gambie à la cantine de mon quartier. À la cantine, il faudrait qu'il y ait du vent. À la cantine, il faudrait qu'il y ait. Regarde ces cédilles font des ronds sur les navets. Super la gambie à la cantine de mon quartier. Quand je mordille le kaolin des hachis, j'entends les andilles, je vois même les vaïdés. C'est vrai que frétillent les petites choses que j'ai sous le nez. J'aime quand ça croustille à la cantine de mon quartier. À la cantine, je voudrais guincher maman. À la cantine, je voudrais guincher. J'aime quand c'est tortille, les jolis petits verres blancs. Super la gambie à la cantine des petits grands. À les latrines, faudrait pas les oublier. Là on voit l'usine à fabriquer les rentiers. J'aime quand se mijotent les papillotes du crémier. Elle me radigote quand les papiers sont bien rongés. Avec ma famille, on va y aller ce samedi. Prélever la dîme de notre grand car farmuti. Ce sera le rack du bourri, au square danse des blattes tardies. Venez à la cantine douce en famille si ça vous dit. On me dit de me taire, le sanitaire est passé. En v'là des affaires, pour quelques verres à ronger. Que faudrait-il faire, en dehors de blablater? Super, je jubile, on sera tous carcherisés. Super, je jubile, on sera tous carcherisés. Ça va vraiment dans le thème, c'est... Sur le premier CD. C'est du qu'on l'a vu. Chanson éminemment politique. Qui me fait des bulles, y'a le matelas qui me fait du plat. Tout le monde voudrait que je virgule pour une apostrophe sans éclat. Y'a pas de raison, y'a pas de raison que je me raisonne. C'est sans façon que je fais le con. Et que le bon Dieu me pardonne si je ne dis pas toujours pardon. Je t'ai rendu, je t'ai rendu dans les chaumières. Et je bouscule sans parti pris tous mes amis, mes femmes, mes frères. Et je me dis que j'ai plein d'esprit, je les rendais. Je les embête à petite dose, homéopédiquement choisi. Y'a pas de doute que je suis la cause de plein de tristesse. Ça me réjouit, j'aime bien lorgner. J'aime bien lorgner les petites grand-mères pour leur faire peur le samedi. Quand elles viennent prendre leur misère de petite pension de RMI, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de faire des galères aux enfants sages qui ne me font rien. Et quand je leur fais tout plein de misère, je me sens à l'aise et plein d'enclin. Hey, hey. Quand le ballon pète.
parle à la tête qu'ils deviennent riches, y'a pas de raison que je leur fasse des fleurs. Comme pour les autres, je suis l'artiste, l'artiste du destin sans cœur. Je suis convaincu. Je suis convaincu de mon rôle social, je me rappelle pas si je vous l'ai dit. Pourtant c'est vrai que je régale toutes les urgences de mon pays, car je desserre. Car je desserre toutes les manettes, des petites voitures et des camions. Et puis encore, ah, je suis bête que les cordes des violons. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur dans ma partie, j'ai tué les autres et il n'y a plus que moi. Pour révéler toutes tes envies de crimes, de meurtre et de bon droit. Tout ce qui nous tord. Tout ce qui nous tord dans les entrailles, tout ce qui nous cause dans les non-dits. Ne notez rien car je déraille, je suis convaincu que je n'ai rien dit. Votez pour moi. Votez pour moi car je vous assure que je serai le mieux loti pour vous faire rire. Et l'on suis sûr que ce rôle-là est circonscrit dans mon bocon. Dans mon bocon, je suis dans ma bulle, dans cette bulle où je fais le con. Y'a la pendule qui fait des bulles, et c'est le matin. Lâche-moi du pont. C'était sur le thème de... Silence. Vous avez du dessous. Il y a eu des chansons de fête les dimanches. Je hais les dimanches. Et donc le thème qui nous a été imposé, proposé, enfin, les fêtes, hein. Les lundis. C'est, j'adore les dimanches. Voilà, c'était le thème. Alors moi j'ai fait une chanson, ça s'appelle Les lundis qui pleurent. Et voilà. Non. Faire comme le coup du micro, tu vois, tu vas descendre un peu. C'est pas habituel. Les vieux, ce coup. Important, doux. Câlin coquin, raconte. Les mardis qui l'heure les balades du soir, où toute la famille se promenait rasoir, côté du quai, quelques chalutiers pleins de plaques rouillées se rappellent. La grue de 50 tonnes qui était posée là, elle regarde tout fier qu'avait mon papa. Je redonne. Sur le bord de l'eau, il y avait des pêcheurs, panier plein de verre, retraités songeurs, le crash se bruine. Mon cœur. Puis les 4 semaines, histoire de sauter, avec les pieds joints, la semaine pliée, me rappelle que bientôt dimanche suivra le samedi et que là bien sûr on se fera du crédit d'enfance. C'est la fin de semaine et moi j'adore ça.
que j'ai de la famille ou je n'en ai pas. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Que le temps s'arrêtera jamais, que mes petits ennuis d'un séduit chiquet, qu'ils crèvent, qu'ils crèvent, qu'ils crèvent. Des histoires co-écrites avec Annick Taillet, cette histoire de loup, nous l'avons dit, quelque chose d'assez épouvantable. C'est des brèves de comptoir. Dans les 5, 9e, 1, 2, 3, 4, 5. Circuler, circuler, y'a rien à voir. De quoi, oui, de quoi. Circuler, circuler, y'a rien à voir. Barbar chat ce soir. Il paraît qu'à Tombouctou, les mangeurs de blé, génétiquement modifiés, sont devenus fous. C'est pareil au Lavandou, y'a la mère Michu, qu'à le front par les tordus, perd plus de mots doux. Circuler, circuler, y'a rien à voir. Barbar chat ce soir. Les news du site franc-comtois disent qu'on a trouvé des aiguilles contaminées dans un cinéma. Au Lavandou, ça c'est fou, on le savait déjà. Qui embrasse au cinéma attrapera des bourreaux. De quoi, oui, de quoi. Circuler, circuler, y'a rien à voir. Barbar chat ce soir. Y'a le copain d'un pote à moi qui a dit qu'il y avait du chat dans le shop sué, du resto chinois. Les mains tout de lavande ou sans goût trop gras. Mirmichu n'en voudrait pas, elle préfère le loup. Circuler, y'a rien à voir. De quoi, oui, de quoi. Circuler, circuler, y'a rien à voir. Barbar chat ce soir. Circuler, circuler, je veux tout savoir. Dis-moi, oui, dis-moi. Circuler, circuler, l'humeur du soir. Je veux tout croire. Circuler, 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 y'a rien à voir. Circuler, circuler. Ah ben oui. Je suis effrayé de voir ce que je vous inflige comme nouveauté. Bon, sur le thème, c'était le thème prochain. C'était une statue, il fallait parler d'une statue, je crois. J'ai inventé un truc. Et contre toute apparence, c'est dur à jouer. Hein. Il y a deux accords, mais c'est... Ça s'appelle « Et pourtant ». Ah, je vais faire plaisir à Olivier. Partons, Olivier. J'irai
revoir ma Normandie, c'est le pays qui me donnait le jour. Oui, il y a des filles partout. Belle inconnue dans le quartier, je voudrais bien te rencontrer. Je te vois passer tous les matins avec ta petite baguette de pain. Tac 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 tac. Je suis tout ému par l'émotion et 4 à 4 file au point rond. Derrière la stature raffinée, j'ai la pupille galinacée. Tac 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 tac. Et vous me dites ça c'est un choc, que ma statue c'est pas du toc. Effectivement, son écrochu a des pensées qui n'en peuvent plus. Il y en a plein d'autres, ma l'idée n'est pas des statues mais des pépés. C'est pour toi, trente vertus ça peut rendre fou et je vous réponds que moi je m'en foutais. Amoureux et tout fou le camp, change de posture et range tes gants. Ton pic de cœur très pathétique, tu pic de cœur et t'as plus de titre. Quand elle repasse, il est 5h, pas du matin, je suis en chaleur, derrière son filet à provision, je vois de belles pommes et puis du thon. Tac 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 tac. Je sens le pépin, papier cadeau, la pop-up girl Quasimodo, le paradis c'est fatigant, car quand il dure c'est pour longtemps. Mettons l'odem, m'a dit Malo, file ta haine pour le mélo. Je peux sûr que ce mec connu que personne ne connaît plus, c'est peut-être bien un gars du coin, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Je retourne ma tête pour voir la belle, peut-être une touche piano piano, la paire de yeux se joue en quatre, Charlie Tango sur le tarmac, tac 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 tac. Serait-ce un bon pronostic quand l'inconnu devient complice? Serait-ce un bon pronostic? Car l'inconnu c'est Copernic. Tac 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 tac. Et pourtant, elle tourne. C'est, ça a mal fini pour lui, hein. Il disait qu'il était bête. Et là, on a raison. Ouh, bah coécrit avec Annick aussi. Annick taillé. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, mon Dieu. Ah. Ben oui, forcément, après la statue, tourner autour de la statue. Comme... J'ai jamais vu de statue de Copernic dans la vie. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, loin des cris, des coups de gueule, des marmots bégueules, folle la grimace, bouteille à l'espace. Maud ou maté à la meule quand l'amour s'envole. Trois paquets de spaghettis, des cornichons et de la bière, quelques boîtes pour mistigris, un bidon d'antipoussière. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, loin des caddies qui dégueulent, des panurges à l'œil, cueille mouton sage, les fleurs un message, billets barrés à l'orgueil quand la vie s'écueille. Trois paquets de confettis, des ballons et des bannières, quelques watts ça fait du bruit, un violon d'antimanière. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, loin des papis qui se leurrent, des loulous en fleurs, pleure mamie jazz, réveil sexy naze, maman myriade en couleur quand l'envie fait peur. Trois paquets de bois verni, des patins et de la pierre, quelques boîtes photo jaunies, un soupçon d'antimatière. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, la 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 la. Seul dans l'espace de Vénus à Mars, la 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 la. Gracias.
C'est un poète marseillais qui avait fait un soir, il y a des petites soirées comme ça, l'espace culture, plein de choses intéressantes qui se passent. Et sur une ville, bien sûr, 800 000 habitants, ben, il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, alors que c'est gratuit. Mais il se passe des choses formidables. Et donc c'est un monsieur qui s'appelle Claude Lévy, qui a eu plein de prix de poésie, puis il avait un texte, alors une autre poète a dit « Ah, ça serait bien de changer un peu de son musique. » On est marre, donc les trucs des autres musiques, hein. Enfin, c'est comme ça. Bon, et puis finalement, je l'ai mis en musique. Bon, voilà, donc avant je vous l'inflige, voilà. Elle était belle à croquer. Pas du tout mon genre, mais on y va. Hein. Que doit-on faire sur « Elle était belle à croquer » ? Aviez-vous déjà vu ma belle et tendre amie, celle qui charmait tant par son anatomie, les feux que reflétait sa longue chevelure, ainsi qu'un doux rayon, lui donnait fière allure, elle était blonde, blonde à croquer, elle était blonde, 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 blonde à croquer, elle était blonde, blonde, blonde à croquer. Sur l'émail de ses yeux, j'ai vu briller l'azur, et dans son doux regard, le satin le plus pur. Et sa taille de guêpe était aussi menue qu'une petite fille à l'allure ingénue. Elle était belle, belle à croquer, elle était belle, 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 belle à croquer, elle était belle, belle, belle à croquer. Que voulez-vous que fît votre humble serviteur, si ce n'était être pris par cet air enchanteur? Elle était si jolie et si belle, ma blonde, qu'un regard de la part des plus beaux yeux du monde suffit pour me faire craquer. Suffit pour me faire craquer. C'est hélas moi qui fus croqué. Elle était blonde, 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 blonde à croquer. Elle était belle, 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 belle à croquer. Elle était douce, douce, douce à croquer. C'est hélas moi qui fus croqué. La 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 la. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Étang. Oui. Ouais. Ouais. C'est super joyeux. Ça, c'est vrai. Le dimanche. Et c'est là que travaille Romuald Lévesque. Alors, je suis allé de Marseille. J'ai quitté le soleil et je suis allé écrire une chanson avec lui. Vous allez voir la sinistrose de la chanson. Voilà. Quelques mois après, il y avait une petite dame qui se faisait poignarder. Bon, dans le lycée où il était. Enfin, c'est pas rigolo. Eh bien, on va essayer de faire ça. C'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est dimanche, alors on fait dimanche, voilà. On fait dimanche. Alors, on a fait la musique ensemble, là. Il m'a lancé sur un truc, alors j'ai essayé. Certains dimanches à Étang, les robes blanches sont d'estampes. Un samouraï au bras, un éventail de geisha. Le mont Fuji me ressemble. Je suis parti dans ma chambre et je suis là. Oxford, les robes blanches sont d'eau forte, comme un sérail oublié, je brinquebaille mes clichés. Les oliviers me ressemblent, je suis envié par les anges, et je suis là. Certains dimanches à Marly, les robes blanches sont coquilles,
chapeau de paille diaphané, je m'embouscaille, c'est l'été. Et ces chevaux qui s'assemblent sortent leurs sabots de la grange, et je suis là. Certains dimanches sur l'azur, les robes blanches sont gravures, plats de rascasse et rougets, on les écaille en toupet. Et leurs habits, ceux-ci qui rassemblent tous ces caprices si étranges, quand je suis là. Certains dimanches, je m'en dimanche, ça c'est sûr. Bon, bon bah écoutez, je vais essayer de vous faire chanter. Hein. Voilà. Vous êtes peut-être réussir à lire, je peux vous distribuer quelques tracts. Voilà. C'est sur un texte d'Yves, c'est Fergulis. Alors, vous prenez vos livres à la page 8, c'est le cantique 412. Il faut la loupiote pour qu'on puisse voir le texte. Oui, oh. Grosso modo, vous allez y arriver parce que c'est pas d'un compliqué extraordinaire. Mais on peut allumer la salle pour qu'on puisse Non, c'est devrait. On voit bien. Voilà. Ah, c'est excellent. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas prévu comme cachet voilà. Tu veux nous faire chanter pour combien? Voilà, c'est une chanson follement gay. Et moi, tu m'en donnes pas? Ah, bah si, ça aussi. Bah, attends, il m'en reste encore. Ça je chante faux, mais c'est pour ça que je veux chanter. Ah oui. Voilà, qui n'en a pas voilà. Moi. Ben voilà, puis Olivier, ben, c'est bon, ouais. Ah oui, c'est formidable. Je tombe. Alors. Donc, notre compagnon Yves Gonneur, j'y vois rien. De marin, a aussi édité un superbe livre sur Tahiti. Donc, je vais vous le montrer, la sortie, c'est comme l'autre. Il est en vente quelque part à la fin, mais c'est vraiment un truc de vie. Quoi. Voilà. Alors, vous imaginez le gars qui perd le moral quand il navigue jeune, il a failli crever parce que le bateau, enfin bref, il a des aventures absolument extraordinaires. Et voilà, donc, quelques beaux textes. Premier disque, chanson de mer. Deuxième CD, le quai de l'oubli, là on abandonne. Alors troisième CD, vraisemblablement, il y aura, avec les chœurs, bien sûr, je vous convoquerai, vous nous faites le tout ça. Les chœurs. Alors, il faut faire ça, tout ça. Nous, les frères du Lys, qui sommes au fond de l'eau. Nous, les frères du Lys, qui sommes au fond de l'eau. Le sel de la mer a rongé tous les eaux. Nous, les frères du Lys, qui sommes au fond de l'eau. Alors, tout ce qui est en grand, vous pouvez y aller à fond. On va refaire le premier point de Jack. Nous les frères du Lys qui sommes au fond de l'eau. Nous les frères du Lys qui sommes au fond de l'eau. Le sel de la mer a rongé tous les eaux. Nous les frères du Lys qui sommes au fond de l'eau. Sur des barques mythiques poussées par l'Aquilon. Sur des barques mythiques poussées par l'Aquilon. Nous reprendrons la course vers le Septentrion. Sur des barques mythiques vers le Septentrion. Les sirènes perfides et leurs chants murmurés. Les sirènes perfides et leurs chants murmurés. Par nos conques marines seront apprivoisées. Les sirènes perfides seront apprivoisées. Des filles de Doris, Néréides de Nubile. Des filles de Doris, Néréides de Nubile. Nous aurons des enfants.
glace des océans. Des filles de touristes nous donneront des enfants. Au large de Cythère, Havre prédestiné. Au large de Cythère, Havre prédestiné. Près des dieux de nos pères vit notre éternité. Au large de Cythère vit notre éternité. Nous les frères d'Ulysse qui sommes au fond de l'eau. Nous les frères d'Ulysse qui sommes au fond de l'eau. Le sel de la mer a rongé tous nos os. Nous les frères d'Ulysse qui sommes au fond de l'eau. Nous les frères d'Ulysse qui sommes au fond de l'eau. Alors, co-écrit dans une petite heure d'atelier, voilà, les voix de 5 cucufas, que j'adore, pour en rajouter plein de couplets, avec Anne-Sophie Aubin, qui ne sait même pas, jamais on a entendu. Il paraît que ça existe, les voix de 5 cucufas. Oui, ça, oh, oui, ça existe. C'est écrit sur le thème de l'automne et des putois. Bon. Dans les bois de Saint-Cucufat, les petits lapins à tambourin, et les rois de l'école d'en bas ont des chagrins qui ne se disent pas. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine, à la Sainte-Catherine, tous les bois. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine, à la Sainte-Catherine, les putois sont les rois. Le manoir de Saint-Cucufat a dans son sein des demoiselles qui voudraient bien un jour de froid battre leurs ailes dans les frimas. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, tous les bois. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, les putois sont en joie. De Saint-Cucufat aime les brodequins des demoiselles qui regardent tout loin là-bas les arcs-en-ciel des petits gars. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, tous les bois. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, les putois reste quoi. Les putois de Saint-Cucufat qu'ont peur de rien sauf des demoiselles qui mettent leurs chapeaux à plat quand les petits gars ne viennent pas. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, tous les bois. À la Sainte-Catherine, tous les bois prennent racine. À la Sainte-Catherine, les putois parlent tout bas. Tout à fait. Il y a encore 30 minutes de cassette. Ah oui, mais d'accord, mais... par rapport au fait, parce que je change des clés, c'est comme ça. Alors, bon, maintenant, parce que c'est censé être le dernier morceau, alors, en fonction du temps. Oui, ça serait une bonne idée. Combien 2 minutes. Je peux pas 2 minutes. Hein. C'est la gampille à GG, je suis obligé de... Non, mais... Pour gampiller. Ça vaut la chanson, hein, y a pas... Ah, ça va, c'est bien, c'est pas mal pour nous. Alors, ouais. Une petite répétition cet après-midi à la caissière. Alors donc, première mondiale en scène. Bon, j'avais déjà fait. Ici. Co-écrit avec Thierry Gaillet.
On est mis en difficulté, alors je vais essayer ça. Mais je me venge parce que comme, quand il est là, je regarde. Ah, ah, GG avant d'être âgé. Ah, GG quand tu étais jeune. Jamais tu ne sortais en boîte. Aujourd'hui que t'es vieux, que tu boites. On te dit danse pour le fun. Change l'âge de tes artères pour retarder le moment moite où tu entreras dans la boîte. Sans disco, DJ ni lumière, d'où ne sortent plus les grands-pères. Et voilà que naît une danse avant que l'inventeur ne pense. C'est pas sorcier, mais il faut le faire. À l'âge d'autres se sont rangés, bien nos chaussures, leurs étagères. Ce sacré chéché qui est âgé, en agité de la cafetière, avant une gambille à gâcher. Danse la gambille, danse la gambille à GG. Mais GG ne sait pas danser. Mais GG ne danse pas bien. À la danse touche pas sa vie, à peine s'il tient sur ses guides. Alors il brasse l'air de rien. Il brasse l'air avec ses bottes, il improvise avec ses jambes. Et faisant mine d'être un gambe, une espèce de rock popote entre tango, jerk et gave. C'est ainsi que naît une danse avant que l'inventeur n'y pense. C'est pas sorcier, mais fallait le faire. À l'âge d'autres se sont rangés, bien nos chaussures, leurs étagères, ce sacré gégé qu'est âgé, en agité de la cafetière, danse sa gambille à guincher. Danse la gambille, danse la gambille à gégé. Puis gégé passe à la télé, vu qu'il dépasse la fiction. Va devenir la coqueluche des représentateurs du nuche à la recherche d'ovation puisqu'il danse comme personne et on a vite dansé la mode de ce grotesque aux antipodes. Des minets qui s'abandonnent, des minets qu'on a mis dehors. C'est ainsi que naît une danse avant que son inventeur ne pense qu'elle fera le tour de la terre. Et qu'à force de s'ingéger, les généraux, les boulangères, les flics, les anards et le clergé, les nouveau-nés, les centenaires, danseront la gambille à Gégé. Danseront la gambille, danseront la gambille à Gégé. C'est ainsi que cela se danse, moitié rétro, moitié tendance, à se foutre le cul par terre. Car c'est la gambille, car c'est la gambille à GG. Dansons la gambille, dansons la gambille, bien GG. J'ai plein de trucs quand même. Oh bah s'il faut faire une chanson de plus, je tourne. C'est plus, c'est hors programme, c'est un cadeau. Ah, il n'y a jamais de rappel chez nous. Ah bah c'est bien, donc il n'y a pas de rappel. Parce que tu as, prévu, voilà, tu as prévu justement voilà. Une harmonie. Voilà. Et on ne casse pas cette harmonie. Ah, sur, on est dans la tradition. Jamais de rappel. Merci. Par contre, on peut le faire.
Mes chers frères du livre, vous avez le droit de garder le papier si vous voulez. Ah oui, oui, c'est magnifique, parce que c'est... Ah, comme elles sont jolies, j'ai envie de dire. Oui, surtout que c'est exactement, n'est-ce pas, Olivier, c'est exactement dans la tradition des chansons de marins, où il y en a un qui connaît la chanson, et pendant qu'on manœuvrait, n'est-ce pas, pour se donner du cœur à l'ouvrage, pendant qu'on manœuvrait, bon, il y en avait un qui connaît la chanson, et il y avait justement des phrases qu'on répétait. Parce que comme ça, ceux qui ne la connaissaient pas, ben, ils n'avaient qu'à répéter la phrase qui était dite. Bon, puis au bout d'un certain temps de marine, ils la connaissaient en entier, et à ce moment-là, ils pouvaient la prendre à des nouveaux sur un autre bateau, etc. C'était magnifique. Magnifique. Tu nous as fait passer par le rire, par l'émotion, par la tendresse. C'est expérimental, hein, là, c'est vraiment... Unique. On a partagé, quoi. Ah, complètement. Je sais bien que vous avez des mains encombrées par les sacs et le papier, mais on peut quand même lui faire une dernière ovation. Merci à vous. Je rappelle, n'est-ce pas, que vous pouvez emporter un écho de cette merveilleuse soirée avec les deux CD donc, qui sont à la porte et que Gilbert se fera un plaisir de vous offrir gratuitement et en échange évidemment d'un don gratuit de votre part aussi. Ah, il y a le droit de la rentrer quand même. C'est des nouvelles chansons. Ah oui, la plupart, ouais. Ouais, c'est nouveau. Alors c'est bien, alors en plus vous aurez des chansons en plus que vous n'avez pas entendues ce soir. Formidable, vous avez deux récitaux. Et la prochaine fois, apportez le cartable pour pouvoir emporter beaucoup de CD de Jean-Jacques. De... Il est gentil. Comment ça s'appelle ? Il est gentil. Il n'a pas toutes ses piles, mais il est gentil. Donc il m'a rendu des clés, donc je vais pouvoir vous relâcher. Mais avant, je vais vous raconter tout ce qui va vous arriver, parce qu'il va vous arriver plein de choses. Ah ouais, vous croyez comme ça que vous allez vous dire, bon bah c'est pas grave, je rentre dans mon trou à marmotte et j'y hiberne jusqu'à samedi. Ben non, il y a des tas de choses à faire. Alors donc, comme je vous le disais, il y a pour votre cholestérol, il y a le salon du chocolat et les portes de Versailles. Et pour virer le cholestérol du chocolat, il y a le salon du thé qui est à la Bourse du Commerce. Vous savez, c'est le machin tout rond. Voilà, c'est une survivance d'un truc de Catherine de Médicis. Et donc qui est dans les Halles, à côté de notre ancien lieu d'ailleurs, mais j'ai pas sponsorisé. Lundi, il y a la cave à poèmes de Gérard Trougnoux, au théâtre des Déchargeurs, rue des Déchargeurs, métro Les Déchargeurs Châtelet, toujours fidèle au poste. Oui, c'est facile à retenir quand même. Il y a de la mnémotechnie là-dedans, hein. Faut pas croire, c'est travaillé. Hein. C'est... mardi, il y a les mardis de... Ah oui, une chose aussi, c'est que lundi, en concurrence avec Gérard Trougnoux, il y a le Café Théo, c'est-à-dire c'est un café philo, mais animé par un docteur en théologie, qui se trouve place de la Sorbonne à l'écritoire, à 20h30. Mardi, il y a les mardis littéraires, qui est dans le tabac Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, dans la rue Saint-Sulpice, à côté de l'église Saint-Sulpice, au métro Saint-Sulpice. Logiquement, s'ils ne le trouvent pas, à ce moment-là, c'est que vraiment ils seront trompés de ville. Alors, le mercredi et le jeudi, sauf s'il y a, si vous connaissez vous-même des moments, n'est-ce pas ? Bon, c'est le 1er novembre, donc en général, le 1er novembre, il y a beaucoup de choses fermées, notamment les magasins, mais il y a beaucoup de trucs ouverts, notamment les salles de spectacle et les cimetières. Oui, c'est joli, les cimetières avec les fleurs jaunes, tout ça, c'est joli comme ça. Prends des belles photos. C'est bucolique, voilà, c'est ça. Jeudi 2 novembre, suite du précédent. Alors, le soir, à ce moment-là, pour vous remonter le moral, après, vous passez un DVD d'Échelle à coulisses ou un CD de l'Échelle à coulisses. Vendredi, on n'a pas de... Non, on n'a pas... Non, le pont Mirabeau, c'était hier. Non, on n'a rien de particulier. Donc là aussi, vous pouvez vous dépêcher de regarder le dernier film avant samedi. Et samedi, c'est nous.
Finissez-vous. Eh ben donc, l'acacia à l'après-midi, si mes souvenirs sont bons. L'acacia à l'après-midi, l'échelle à coulisses le soir, eh ben ça vous fait une journée riche, pleine d'imprévus, pleine de rebondissements, de découvertes. Le plaisir de retrouver ceux qu'on connaît, la joie de découvrir ceux qu'on ne connaît pas. Et en plus, ceux qu'on connaît nous apportent des chansons qu'on ne connaît pas. C'est vous dire, n'est-ce pas, que la surprise est totale. Alors, si vous voulez ne rien rater de tout ça, alors vous faites comme ils ont dit les messieurs du gouvernement. Et puis profitez-en, parce qu'ils vont pas durer. Déjà, on se demande même s'ils vont durer jusqu'aux élections. Mon Dieu. Quand je pense à tous les gens qui se sont fait tuer pour qu'on ait le droit de vote. Et seulement, ils avaient oublié un léger détail, un peu comme dans la chanson de la bombe. C'est merveilleux d'avoir le droit de vote, mais encore faut-il avoir des gens intelligents pour qui voter. Mais là, évidemment, là, ils avaient oublié ce léger détail. Tu vois comme les gens sont étourdis. Oh, incroyable. Donc, comme il a dit le gouvernement, 5 fruits et légumes par jour. Je signale que le demi-champignon... La gauche va le porter à 6. Oui, mais télévisé, le sixième légume sera télévisé. D'autre part, je signale que le demi-champignon, qu'on vous a compté comme supplément garniture sur votre pizza, ne compte pas pour une portion de fruits et légumes. 30 minutes de marche rapide. Alors ça, c'est pas difficile, les 30 minutes de marche rapide. Vous essayez de vous garer dans le quartier. Vous êtes logiquement à 30 minutes à pied de l'échelle. Sauf si vous suivez les plans que Gilbert a mis sur le site internet. Ah, attention. Et 30 minutes, et puis alors, au fond, la chose la plus importante, la plus sérieuse. Faites attention en traversant.